style. C'est-à-dire qu'il y a des compacts tout tout petits. Il y en a qui sont un peu plus gros. Ça reste numérique, électronique, donc il peut y avoir des défauts. C'est pour ça qu'il y a une garantie.
chat cinglé pour être sûr que votre boîtier ne parte pas. C'est pratique. Alors lui, oui, alors c'est un zoom. Alors on peut appeler ça un zoom. C'est plutôt, on appelle ça en photographie, un transpacique. Le zoom n'existe pas. Il y a le grain d'angle, le transpacique et le téléobjectif. Un zoom, ça ne veut pas dire grand chose. Ça, c'est un transpacique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un 55-200. Ça veut dire qu'il va faire une photo, on va dire, de la pièce. Mais vous pouvez zoomer, entre guillemets. D'accord? Tac, voilà le maximum. Alors, il est vendu avec son pare-soleil. Très utile, déjà parce que ça fait joli. Et aussi parce que ça évite les lens flare. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, pareil, je crois que c'est un. C'est pas écrit. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien 4.5 également. Donc c'est un objectif correct. Correct, voilà. Il est doté. Il est doté sur le côté, juste là. De l'option A et M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'appelles Mathieu, tu le mets sur M. Et si tu t'appelles Arthur, tu le mets sur A. Ça, ça fonctionne pas. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est juste le mode automatique et manuel. C'est pour le zoom. Pour que le zoom se fasse automatiquement, tout seul ou manuel avec la bague qui se trouve là. C'est tout. Et juste en dessous, nous pouvons trouver le mode VR off on. Alors, le VR, c'est super. C'est la réalité virtuelle. Non, je dis, non. En fait, c'est tout simplement le mode stable. Ça veut dire que si vous tremblez, vous bougez. Si vous activez ce mode, si vous activez le mode là, juste là, celui-là, alors votre photo sera quand même nette parce que le mode VR va prendre en compte le tremblement pour faire une photo très nette. Par contre, si vous êtes sur un trépied, alors dans ces cas-là, il faut l'enlever, sinon ça marchera pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vous écoute. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poire pour se mettre au cul. Non, je n'en ai pas du tout. Non, je plaisante. C'est une poire, effectivement. Mais c'est pour nettoyer les appareils. Uniquement les appareils photo. Alors en fait, ça souffle de l'air. Vous pouvez sentir. Mais très légèrement. Et en haut, il est équipé d'un pinceau. Alors évidemment, il y a des poires. Tac, on peut l'enlever. Et on peut mettre autre chose à la place. Moi, je mets un pinceau parce que c'est pour moi le plus simple. Et donc, c'est super parce que au moins, les petites poussières qui sont. Ça, c'est propre histoire de la poire. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir un petit peu plus sur les appareils photo? Est-ce que les téléphones font des meilleurs guides? Non. Faut savoir un truc. Les téléphones, même le tout dernier téléphone qui vient de sortir encore, ne peuvent être en aucun cas comparés avec des appareils photo. Pourquoi? Parce que leur qualité pique les yeux, bien sûr. Sur téléphone, ça rend
sujet sont déformés. Disons que si vous prenez un grain d'angle, effectivement, vous avez raison, vous pourrez être beaucoup plus près d'un sujet, mais le sujet ne sera pas mis à valeur. Il sera un petit peu déformé. Alors qu'à la limite, celui-là, il est pas mal. Parce que, certes, il faut que vous soyez un peu plus loin de votre sujet, mais du coup, le sujet sera un peu plus à l'aise. Et en plus de ça, les perspectives ne seront pas déformées. Et avec un peu de chance, vous serez du flou derrière le sujet qui ne pourra que le remettre en valeur. Donc je vous le conseille. Ouais. Le prix, c'est le même. Les deux objectifs sont les mêmes. Alors non, c'est pas, il est plus gros, donc il est plus cher. C'est pas la taille qui compte. C'est lorsque le diaphragme est très bas. Genre en fait, le petit F que vous voyez dans le diaphragme, il y a un petit F. Là. Plus il est bas, et plus c'est cher. Par exemple, si le diaphragme est de 1.8, ça va être très cher. Si le diaphragme est de 4.5, ça va. Pourquoi? Parce que plus le diaphragme est bas, et plus il laisse entrer de la lumière dans votre appareil photo, et du coup la photo sera beaucoup. Un flou beaucoup plus délicat, il sera beaucoup plus précis, la qualité sera bien meilleure, et puis surtout vous pourrez prendre des photos dans des endroits beaucoup plus sombres. Je t'ai fait bailler, excusez-moi. Du coup, donc les deux ont la même qualité. Alors évidemment les deux sont protégés, hein. Argentique.